Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Morfan pour un nouvel épisode de Surviving The Aftermath. Ouais, c'est ça. Donc, on était en stress complet, en stress total, il se passait rien. Ouh, c'était calme. C'est calme, mais on n'a pas de béton. Donc, c'est bien, mais. Et le dernier truc, c'est qu'on avait lancé le l'école. J'ai un pour toi. Salut mec. Ah oui, mais il y a boule de béton ici, ok. Là où je suis curieux de savoir, c'est... quels sont les objectifs en réalité de ce jeu, genre pour gagner le jeu vidéo. Aïe. Je bois trop matinal, j'ai mal. Ça s'est bien passé. Alors, est-ce que tu vas lui faire quelque chose? J'en ai marre, ton portrait me cache le truc. Ouais, il lui fait des dégâts quand même, hein. Ok. Ouais. On est bon. Ah, petit message Discord. Voilà. Vague de chaleur, bah voilà. Donc là c'est la merde. C'est la merde, je rappelle pourquoi. Je n'ai pas assez de puits. Bah, normalement j'ai pas assez de puits. Hein. Consomme 27, ça va doubler. Non mais c'est la merde. C'est la méga merde. Et j'ai pas assez d'autre côté. Je suis qu'à 1326, donc je suis même pas stocké. Après ça dépend combien de temps ça va durer. En vrai, ça dépend pas mal de comment ça va durer. Je m'ajouterais bien un puits de la misère, genre par là, tu vois. Genre, à pitié, on a plus que ça. On a plus que ça qu'à se mettre sous la dent, quoi. Eh, ma gueule. Allez, on va se les mettre là. Et s'il faut, on s'en met un autre dehors. Genre là. Oh ouais, nice. Le petit puits de la bienvenue, on va l'appeler. Ah ouais, mais ils veulent pas. On peut construire, mais ils veulent pas. On est trop en dehors du camp. Ouais, non, on va rester comme ça. En tout cas, c'est la preuve qu'il faut pas hésiter à s'étaler, hein, parce que sinon, ils puissent en coller les uns aux autres. Des survivants cherchent un abri. 7. Ignorez pour le moment. Genre, ils restent devant, là. Ça se passe comment? Ah ouais, ça reste comme ça. Il reste dehors au calme. J'ai pas. Ouais, j'ai pas de béton, j'ai plus de béton là. Il faut du bitume les mecs. Les experts sont prêts. Il reste rien là-dedans. Hein. J'ai envie de dire ramène-nous tout ça. Hein. Attends, j'y vais pour 200 et il va m'en manquer 4. C'est ça le projet. Je suis deg. Construction terminée, un colon Amelia est morte. Parfait. Prends ton job. Débarrassez-moi d'un cadavre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. Ouais, tu me le finis, ça serait super. École terminée. Nice. On a 4 sur 8 d'enfants, on est pas mal, ça se discute, ça se discute.
ça. Stockage est plein. Les colons veulent me parler, mais non, taisez-vous. Allez, cassez-vous. Le colon est blessé, mais va mourir quoi. Vraiment trop con. Alors, deux, trois petites choses. Ça dégage. La décoration, j'ai l'impression, elle joue pas quoi. Je suis pas convaincu. Hein. Bleu, frappez-vous dans la bouche. Ouais, parfait, parfait. Allez, meurs. Pas le méchant. Le méchant, tu peux rester en vie. Hein. Et 3, hein, tu ne fais plus aucun dégât. C'est assez rigolo. J'ai 4 méchants qui restent. Hein. Et bam, explosion. Même pas. Ouais, t'es sage. Ok, on a tout ramené, c'est le bazar, c'est le dawa, c'est compliqué. Et le stockage est plein. Paf, colonie. Devoir de mémoire. Recherche. Retour. Alors là, on a gagné plein de trucs. Hein. Normalement, on a ramassé la max là. Parterre de fleurs blanches, très joli hein. Minuscule fleur blanche. Voilà, c'est plus ambiance désert ça. Là, en papier, aucune ressource de construction n'est nécessaire. Bûche en fleurs. Cactus en bouteille. Fleurs de plastique. Pensée en plastique. C'est rigolo, moi ce genre de truc je trouve ça par contre très drôle. Et moi les petits avions en papier qui... Les petits vaut 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 vaut. Les petits trucs qui y a du vent là... Moi ça j'adhère. D'accord. Ça c'est tellement horrible ce jeu qui pour ça est vraiment infâme. C'est vraiment le jeu de la merde pour ça. Mais c'est le système Banish qui est comme ça. C'est, tu vises toujours comme si t'étais une case au-dessus. Puis ça rame, t'es genre en 2 FPS quand tu veux poser un objet quoi. Allez, on va faire des petites décos. On va se faire l'allée des mondes. C'est vraiment pour le plaisir de vider le stockage. Non, pour vider le stockage. Hop. Le cactus en bouteille. Ah ah, le cactus en bouteille. Fleurs en plastique, voilà. Alors peut-être pas les fleurs en plastique, peut-être qu'on va plutôt partir sur les pensées. Voilà, pensées en plastique. Comme ça. Regardez, hein. Fait ça bien. Hein. Les décos des enfants, c'est fait avec amour. Hein. J'annonce. Hein. Déco des enfants, c'est que de l'amour. Et là. Arrête de... c'est compliqué, hein. C'est compliqué de faire travailler ce genre de truc. Un arbre en bottle. Deux arbres en bottle. Parce qu'en plus mon plastique en vrai ne sert qu'à ça. Je veux dire, j'en ai une tonnasse. Maintenant j'en ai un peu moins parce que j'ai construit pas mal de bâtiments du coup. Tant mieux d'ailleurs. Et on conclut ça avec un petit parterre de fleurs en plastique. Voilà. On aurait aimé la technologie de les tirer d'ailleurs. Ouais, on peut les pivoter, c'est parfait. Mais arrête, tiens, regarde le truc. Le truc, comment je le place? Allô, au secours. Le truc est en 2 FPS. Je vous rassure, hein, c'est pas mon PC. Hein. C'est rien de tout ça, hein. C'est vraiment le système qui est comme ça. Hein. C'est le système spécial à la ramasse. C'est le super spécial. Je suis obligé de viser la case d'à côté, gros. C'est pas normal. Je suis désolé, mais c'est pas normal. Oh, c'est inquiétant. C'est inquiétant.
Allez, le petit dernier et on est bien. Alors, est-ce qu'on se fait une petite allée de lanterne? On appellera l'allée des lanternes. Moi je te dis, dans cette ville apocalypse, je veux y habiter. Franchement, il y a un soin qui est mis pour la déco. On va tous mourir, hein. Mais franchement, ce sera joli comme mort. Voilà. Et là, ok. Et là, ok. Et c'est quoi la catastrophe déjà? Vague de chaleur. Ah oui, on est dans la merde. Oups. C'est vrai qu'on a un petit souci là. Mais on a peu de réserve en eau, normalement, on devrait venir. D'ailleurs, pas qu'un peu. On va avoir beaucoup de réserve en eau. Regarde ça, mais regarde ça là! On va crever de chaud, ok! Mais franchement, ça vaut le coup de mourir de chaud pour voir ça! Ah, mais non, je suis couillon, il fallait que je reste là-dessus. Yes, yes. Et du coup, genre là, on va mettre de la déco aussi. Genre par exemple. Ah mais c'est la session déco. Cherchez pas, c'est la session déco. Nous, on aime ce. Voilà, on a envie de se faire plaisir, on a envie de mettre des fleurs, quoi. On a envie que le monde soit un peu plus fleur, quoi. Non, pas plus fleuri, plus fleur. C'est la mode, tu vois, c'est la mode. C'est plus fleur, ok. Donc on est dans un monde qui est plus fleur. Voilà, donc là, voilà, on est dans un monde plus fou, plus coloré, plus imagé, plus quoi. On est vraiment dans un monde qui est plus, quoi. Qui est plus qu'avant. On sent que c'est un monde qui est nouveau. Qui est au-delà du possible et du réalisable. Ça ne veut rien dire, mais ça fait bien. Je vous jure, ça fait bien. Moi, je propose une petite ligne de bus en vert. À côté de l'infirmerie, il n'y a pas de raison. Réserve pour la nourriture basse. Alors là par contre faut arrêter les conneries. Ah excuse-moi. Deux fois plus de mecs ici. J'ai pas un pêcheur?
Ah, j'ai pas de pêcheur, je suis zéro pêcheur. Eh, on a trop de stock, je crois. Hein. Allez. Cabane, pêcheur. Je pêche depuis bien trop longtemps. Ah oui, mais je pouvais pas à cause de cette planche de mort là. Ah, pas mal. Moi je dis pas mal. Est-ce qu'on la tire jusqu'au bout? Le problème c'est que la tirer jusqu'au bout, ok, mais je sais pas où on va quoi. Tu auras ça à peu près par là. Ce serait très bien. Ok. Non, clic droit. Demande d'un colon. Qu'est-ce que tu veux me casser les noix? Cassez-vous. 3 baies. Bah ouais, les mecs qui sont partis à la chasse, ils ont ramené 3 baies. Ça te donne une idée de ce qu'ils ont trouvé. Hein. Ah, ils ont trouvé entre à peu près rien et que dalle. Ah, c'était une bonne session, vraiment, c'est bien barré avec les blagues de Thierry, vraiment, c'était fou quoi. C'était fou quoi. On va se rajouter un grand champ. Ouais, peut-être pas non plus, parce que là. En fait, ce qui fait qu'on est bas, je pense, c'est que les récoltes sont à venir. Non, c'est vrai, c'est ça, on est en train de rentrer les récoltes. C'est en train de se faire. Ils sont deux sur le grand, hein, chacun sur son petit champ. On est bien, on est bien, on est bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la choupette qui sait pas quoi faire. Va checker par là. Ok, des problèmes. Je veux que tu meurs. Meurs! Tue-le ou meurs, je sais pas, mais fais quelque chose quoi. Tu es inutile. Je veux te suicider. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué de se suicider normalement. C'est plutôt évident, non? Oh, joli. Joli bout de bois. Très joli bout de bois, monsieur. Votre bout de bois est fort joli. Voilà. Après, on pourra aller sur la cuisine. Hein, et je peux, par exemple, demander de partir sur un petit plat végétarien. Je pense qu'en vrai, ça se fait. Donc, la grosse canicule. Et on rentre encore de l'eau. Je suis un champion. Je suis un champion. J'aurais voulu le faire exprès. Bon, je l'ai fait exprès. Mais vraiment. C'est impressionnant, non? Moi, je sais que ça a quelque chose d'impressionnant. Parce que j'y ai construit de la route là. Mais vraiment, mais tu vas pas me laisser poser un truc juste parce que j'y ai construit une pseudo route là. Allez, tu, je peux mettre les trucs sur route, ça les efface. Là, le jeu a décidé que non. Bah voilà. C'était bien. C'est vrai que t'as un peu de puissance de combat. Vas-y, viens ici parce que lui il va pas tarder à crever donc. Bah il va crever là. C'est pas compliqué. Il va mourir ici. Ah non, il l'a vaincu! Genre, la blague. Dis-moi que tu meurs aussi. Double KO, je veux le double KO. Putain, même pas de double KO. La vie n'a pas de race. On est toujours plein. C'est pas on est plein de quoi, mais on est plein. Ok, ça ralentit drastiquement les. Okay. Ouais, ça va. Y'a quelqu'un au portail. Bonjour. Une graine de chou, une graine de cahuète. Alors. C'est le retour de l'apéro. Évidemment. Bien que c'est le retour de l'apéro party.
se passe que la première fois, ça a soi-disant mal tourné, prank, lol, lol le prank, prank le lol. Hein ? Ah, c'était un champ moyen que j'avais mis ? J'ai vraiment fait ça ? C'est pas un grand champ. Ah, c'est un champ moyen, très rigolo. Du coup, maintenant, c'est un grand champ. Voilà. Voilà. Le problème est réglé, c'est terminé. Il ne s'est jamais rien passé. Finalement. Il tiendra, non ? Est-ce qu'on peut pas se mettre un petit château d'eau, genre par là ? Ah, c'est magnifique. La place est là pour ça, quoi. Moi, à chaque fois, je pense que je le fais un peu exprès, mais non, en fait, le jeu me dit non, non, sa partie est géniale. Hashtag on aime ça. On est prêt à mettre un pouce bleu là-dessus. Pas d'embrouille, quoi. Bon, va taper quelqu'un d'autre, toi, va crever là. Des médocs. Mais les médocs, c'est pas de la science. Et nous, ce qu'on veut, c'est de la science. C'est des médocs, c'est pas de la science. Ce qu'on veut, c'est de la science. Je me répète un peu à ce qu'il me. Ouais, je sais pas. Faut que je vous occupe. Je vais vous occuper. Les réserves de nourriture sont basses toujours. Attends, on produit 135, mon gars. Faut y aller, hein. Ah, ils sont en train de récolter. Ça devrait monter là. Je sais pas, ils ont pas l'air convaincus. Colonie, toujours pas les maisons, il faut 300, il manque rien. C'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. On va se mettre des cacahuètes et juste après, ouais, sans patates, hein. Frites. Hein. Frites, mon gars. Ouais, ils sont trop proches l'un de l'autre, je crois. Les réserves de nourriture sont toujours basses tout le temps là, c'est chiant. C'est chiant, j'ai des pêcheurs là pourtant, non? Ah, j'en ai un. Vas-y, bourse en deux. Vas-y, bourse en deux. Alors, on va continuer à chercher les emmerdes. Trouvé. C'est bien, en général, il n'y a pas besoin d'aller les chercher trop loin. C'est un petit côté pratique. Cherche un peu de chance quelque part, je ne sais où. Essayez de trouver ça. Ce serait formidable. Puissance de combat 9, pas de défense, en vrai ça se fait. Marchand ambulant. Yo mec. Une graine de soja, 24 débris. We have a deal. Du coup, il fera du soja après. Non, non, des cacahuètes. Et après, on fait du soja. Super. Va te faire foutre, quoi. Ouais, que le jeu m'a dit va te faire foutre. Débrouillez-vous. Moi, je sais pas, moi, je sais juste que j'ai fait une jolie allée de fleurs. Avec les petits poteaux lumineux, ah, c'est vraiment avec des petites lanternes. Il y a un colon qui est mort, c'est marrant ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas de quoi il est mort. Mais bon, finalement, pourquoi pas. Il fait rien, casse-toi. Fais autre chose de ta vie. Bien sûr, hein. C'est bon, ils sont mangés. Hein. Pas besoin de rester plus longtemps. À faire autre chose de ta vie, hein. Quelque chose d'intéressant peut-être, constructif. Moi, je suis chaud pour tout tabasse. Même les combats sont du genou, tout est beau du genou.
dirait que tout rame alors que ça vient pas de chez moi, mais c'est vraiment le moteur banished en fait, hein, sur lequel on tourne, qui fait que d'ailleurs tout est moche, chaud, dégueulasse. Parce que toute la map est moche et dégueulasse, hein. Alors que je suis en élevé normalement partout, alors à moins qu'il ait changé un truc en Scredos. Enfin, moi, quand Scred il s'est dit je vais tout mettre en bas. Non, tout à fond. Bah ouais. Bah ouais, bah ouais. Ouais, ça vient pas de chez moi. Le mec, il veut pas faire ce bout de route, quoi. C'est effrayant. Six têtes de plus, c'est des abris en plus. On vient d'aligner un nouveau champ. Ils viennent avec un peu de bouffe, on a de quoi durer s'il faut. Allez, on peut les accepter. Par contre, le colon, il y en a juste un qui a pas de maison. C'est pas grave. Camionnette approche. Dan, l'homme de la camionnette mystère. Une camionnette rouge s'arrête dans un crissement de pneus et un homme en jaillit. Il se perche sur le toit du véhicule. Attention, attention. Dan, l'homme de la camionnette mystère, est de retour avec sa fameuse camionnette mystère. Si vous voulez ce qu'il y a dedans, une minuscule donation sera demandée. Après quoi, pour toute réponse à vos questions, Dan se borne à dire payez et vous verrez. J'ai ni 24 poissons, ni j'ai pas envie de te donner 11 métal, mec, jamais de la vie. Je décline, casse-toi. Ouais, vous êtes pas marrant, vous, dans la vie, ouais, casse-toi. Casse-toi, branleur. Je vais finir la machette, sinon. Excellent. Excuse-moi. Cul 3. Du bœuf. Il va avoir sa petite maison. Voilà, il est content, le Logan. Connard. Il est trop méchant. Incroyable. Bon, par contre, c'est bidonville. Hein. Ah, il est là, mon petit drapeau. Gros style. T'as fait des outils et tout. Moi, je fais tout ça, mais j'oublie de regarder les maisons. Le jeu est quand même très très moche. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, hein, hein? Quoi? Mm-hmm. Mais soyez heureux, bande de cons. Malade à cause des radiations. Épuisé. Mais arrêtez de charbonner. Y a pas d'urgence syndicale première là. Pas de... On sait pas pourquoi. Ils sont dans le mal. Petit coup de genou dans la couille gauche, c'était bien. Oh, super. On arrive dans les zones de danger, quoi. Ah mais attendez, on a du malade aussi. J'ai pas fait gaffe, mais on a du malade radioactif. Hein. Je sais pas comment vous pouvez être mal, quoi. Rien n'est malade. Bah ouais, mais ouais, mais bon, on n'arrête pas de passer par ces secteurs de mort là. Voilà. Oh, les réglages caméra. Il y en a une, il y en a deux.
pas trop mal. On est pas mal aligné. Alors, prévoir l'instruction des enfants. Merci, au revoir, bonne journée. On connaît déjà, hein, on sait que... Bon, on est à 4h08, qu'est-ce que vous m'emmerdez, là? Il y a la place, en plus. Oh, ils sont chiants. Franchement, ils râlent vraiment pour râler, quoi, les mecs. De mort hein, pour l'instant. Là, on est loin de nos 3 fausses et demi. De la dernière fois. Hein. 3 fausses et demi. Oh, j'ai conscience que pour ceux qui me regardaient sur sur Prison Architect, ça leur manque. Ça leur manque vraiment cette petite discipline de. Petite spécialité de mort en fait. Local, jovial. C'est bien, regardez les petites fleurs entretenir. Ça fait du bien, non? C'est bon pour ce que t'as la grosse, non? Content? Bah oui! Bah oui, nage dans le bonheur la grosse! Chloé est morte! D'épuisement! Mais on sait pas pourquoi en plus, c'est... Y'a aucune raison que vous mouriez d'épuisement, je veux dire, y'a pas de surtravail là! Sinon, je vous mets là et puis voilà! Et vous vous barrez pas trop loin, comme ça vous faites pas trop chier quoi! Plus d'outils, ouais, on peut se lancer sur plus d'outils. Oh, sur un petit repas végétarien, ça se passe bien, quoi. C'est de râler aussi, quoi. Bon, ici, ça fait de la forêt, ça bûche un max. Si ça déboise là, ça bûche un max. Ni ou l'autre. Et lui, là, il est là-bas et ça bûche un max aussi. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. En fait, à part la production de béton sur laquelle on est bloqué là, de ciment, sinon, non, c'est en vrai, ça va. Allez, les embrouilles. On peut pas se remettre sur les bâtiments qui sont vides, donc c'est un style. C'est un style de vie. Plus de médicaments. Faudrait qu'on ramène quand même certaines choses. Apocalypteuf. L'air est saturé de chants hurlés, accompagnés de batteries, de trompettes, de fortune. Un groupe d'une dizaine de personnes en vêtements colorés s'approche. C'est la fin du monde, mec! Pourquoi perdre ton temps à couper du bois ou je ne sais quoi? Alors qu'on pourrait partir en fanfare. On a de la nourriture, du matos. Non, vas-y, rejoins-nous. Ok. Et ils ouvrent alors plusieurs caisses de nourriture et font mine de vouloir partager. Ouais, vas-y. Vas-y, là, 32 bonheur, là. Vous êtes contents, bande de cons? Ah, vous êtes contents, bande de cons, là. Vas-y, casse-toi. Je sais pas à quel moment vous bûchez de trop quoi, genre là y'a plus rien à faire. Y'a quand même plus rien à faire quoi. Si vous mettez-y vous à deux. Tas de métal vide, ok. Ah, tas de métal vide quand même. Non, ça tas de métal de. Ça de tas de métal vide, on n'aime pas très très beaucoup. Ici on n'aime pas trop. Oh, ça fait envoyer très loin. Oulala. Oulala. Elle est grande comment la map là? Ouais, on touche les coins, ouais. C'est ça. Ok. Donc nous on va pas se le friter. On va pas se le friter non plus.
Bah dis donc, c'est les grosses ambiances juste à côté de la base, hein. Bah ouais, carrément. Bon, on a quelques trucs à récupérer par là, hein, quand même, on va pas se mentir. Donc... de quoi faire, hein, de quoi voir venir. Ah, mais qu'est-ce qu'on mange, par contre? Alors ça, par contre, qu'est-ce qu'on mange, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? C'est du métal, ça. On est quand même un shurl de poids plus proche, hein. Je chipote un peu, mais... ce petit blouse, quoi. Ah oui, par contre, on est à un chouille plus radioactif aussi. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Hein. On est plein de chez plein. Bah, tant mieux, hein. Comme ça, on gagne du temps. Hein. On peut être magnétique si tu veux, j'ai aucun objet technologique. Il y a un rassemblement de colons. Qu'est-ce que vous voulez, bande de cons? Ah, faites de la viande, allez, faites péter du gibier, 8 de bonheur pour tout le monde. Arrêtez de faire la gueule, merde. 142 fêtes, quoi. Ils sont infernaux, hein. C'est vraiment... les mecs, ils ont décidé que le fun dans leur corps était mort. Hein. Il y a combien d'outils là-dedans juste pour se marrer, hein. 3 outils. On va vraiment se faire chier à taper sur un mec pour 3 outils. Ouais, on va lui taper dessus pour 3 outils. Après, c'est peut-être le fait qu'il soit dans des abris d'urgence qui fait que le moral est pas ouf. Stockage en plein, si c'est bien. 5 et 2, un outil, des vêtements. Pff. Pour le moment, pour l'instant, je m'en fous de votre existence. Vous me faites chier, c'est juste vous me faites chier. Je voudrais avancer là. Faut de la recherche, sinon on va stagner. Un groupe de survivants est arrivé au portail, mais c'est les mêmes là. Ah, on a la spécialité de l'éclaireur. Efficacité dans la colonie à venir. Ah, c'est pas encore codé. Ah, il y a des choses en fait qui sont pas encore codées. Alors, l'explorateur est nul, donc je les ignore encore. J'en ai rien à cirer de leur vie. Et si je les refuse juste pour voir en décliner le moral. Tout le monde s'en fout. Parfait. Parfait, parfait, qu'ils aillent mourir beaucoup plus loin. Pourvu que ce soit pas sous mon nez. J'irai bien chercher en fait ces médicaments. Ouais, enfin, pour ça c'est très facile pour me dire. Ça c'est des trucs anti-pandémie, il me faudrait quand même un peu. J'en ai mis qu'un. Ouais. Peut-être le ramener à la maison lui aussi. D'être fou. Tempête magnétique, c'est parti les grosses ambiances. Est épuisé, fatigué à cause des maladies. Mais merde, arrêtez. Juste arrêtez-vous quoi. Tiens, je vais mettre quelqu'un à la fosse, ça va l'occuper. Ouais. Personne pour transporter les marchandises, mais tout le monde foutra la paix. Ouais, c'est l'état de la récup, c'est ça. Un mortier est au portail. Ah, tu viens de nous demander quelque chose. Tu me donnes 9 composants si je te file 8 métal ou 2 pièces détachées, je te file 10 planches. Je te donne des planches parce que c'est facile à... facile à produire. Très bien.
Ben... On pourrait forcer un peu, hein. C'est chaud de forcer. C'est chaud de forcer. Faudrait pas que je force, là. Je perdrais mon scientifique. Faudrait pas que je fasse ça. 4 médocs. Tranquille, posé. Pas de risque, pas d'explosion, tout va bien. C'est bien passé. Allez, c'est le jour où ça va craquer. C'est le jour de la tempête, normalement. Non, si, peut-être. Un petit peu, non? En bouffe 282, consommation, repas, machin. Bidule est malade. Vous faites pas beaucoup d'efforts, je crois. Pourquoi vous êtes crevé, fatigué, épuisé? On sait pas. Y'a pas de raison en fait. Hein. Ça vous arrêterez de bosser comme des chiens. Ce sera très bien. Allez, est-ce qu'on prend le risque? Puis on va pouvoir récupérer des outils au tour prochain. Le risque, ça paye. Ça s'est bien passé, pas d'explosion, pas de problème. Très bien, c'est parfait. Isogène, on s'embête. On s'embête. On s'embête. Faire de la mort, moi, 420. Ah, ah. Non, en fait, j'ai l'impression que le déco sert à rien, quoi. Pas surtout, en fait, pas des fleurs. Ah, on est vraiment sur le goudron. Ça m'embête, hein, de mettre ça sur le goudron. Ouais, cassez-vous. Bon, bah, je suis content. Bon, c'est dans radiation, il y en a deux qui sont morts. Putain, c'est moche. C'est moche. Et ouais, je vais le mettre sur le coup au final. Non, ce mémorial, ça va vider quelques conneries. Et bien. On a de la chance, ça se passe bien de son côté. Hein. Plastique dans le coin ou ça se passe comment là? Allô le jeu? Allô le jeu? Est-ce que tu m'en... Ah oui. Bah vas-y, tire là-bas. Par contre... Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous faites genre j'ai pas d'outils, j'ai pas de machin, ils sont toujours crevés, ils sont chiants hein. Ah, ils sont à un niveau de chien-lit là. Pourquoi? Juste pourquoi vous faites chier le monde? Tiens, je te libère, ça va faire un pêcheur de plus là. Les experts sont prêts. Bon. On va te ramener clairement à la zonzon. Hein. Y a pas d'embrouille. Y'a pas le choix pour toi. Et toi, je crois qu'il en reste deux là-dedans. Tout s'est bien passé. Hein. Incroyable. Ça, c'est de la chance. On est bien, je pense que c'est une bonne manière de terminer l'épisode. Hein. On a quelques types qui suicident de temps en temps, bon, ça va. Ça suicide,
Mais en fait, ça va. J'en suicide, mais ça va. C'est ce qu'ils osent pas dire, tu vois. C'est qu'en vrai, ça va. Qu'est-ce que tu veux encore? Une camionnette rouge s'arrête avec dans un crissement de pneus et un homme en jaillit. Ah oui, c'est peut-être le fait de te donner du métal à casse-toi, dégage. Malade à cause des radiations est épuisé. Le jour où on aura un traitement des radiations, on sera quand même bien. En tout cas, en bouffe, on est stable. Faut pas rentrer plus de colons. Faut se méfier. Et la prochaine fois, on teste la radio Spike Light. Technar Fancture comme d'habitude gaming pour Surviving the Aftermath. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.